شو الميساج اللي قاعد نفرق السقيه؟ Donc le message d'aujourd'hui, lundi 9 août, dit « Béni l'homme qui se confie en l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Sa feuille sera toujours verte. » Jérémie 17, versets 7-8. Comme un arbre, pendant les épisodes caniculaires de l'été 2019, nous avons pu observer plusieurs arbres qui ne supportaient pas ces chaleurs excessive. D'après l'Office national des forêts, ONF, un chêne adulte a besoin d'environ 200 litres d'eau par jour pour maintenir ses 150 000 feuilles vertes. Chaque jour, cet arbre boit autant que 130 personnes. On comprend qu'il soit vital pour lui d'avoir des racines profondes et de l'eau à profusion. Le croyant qui met sa confiance en Dieu est comparé à un arbre qui plante ses racines dans un endroit où l'eau ne manquera jamais. Ainsi, même si des difficultés surviennent dans sa vie, celui qui s'appuie sur le Tout-Puissant ne sera pas écrasé par elles. Au lieu de s'aigrir, il continuera à procurer du bien autour de lui, comme l'ombre d'un arbre que l'on apprécie en pleine chaleur. Dans le tronc d'un arbre, il y a un flux d'eau et de minéraux qui part des racines et vient nourrir les feuilles. Mais il y a aussi, grâce à la photosynthèse, de l'énergie qui va des feuilles à tous ceux qui grandissent. Les racines, les fruits et les graines. Le croyant est comme un arbre planté près de l'eau. Il porte du fruit. Il fait ce qui plaît à Dieu. Il ressemble de plus en plus dans ses attitudes et sa façon de vivre au Seigneur Jésus. Et il est utile à son maître. Il étendra ses racines vers le courant. Il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra. Sa feuille sera toujours verte et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas. Il ne cessera de porter du fruit. Jérémie 17, 8. Amen. Merci.